Coucou, ça va comment? Ça va bien? Je suis en bourse. À l'heure actuelle, je suis en bourse. Oh. Voilà. Je suis en bourse. Donc, depuis ma position, je vous donne ma position. Moi, je suis en bourse. Oh. Et ça ne chauffe pas. Je suis en brousse parce que vous jouez, vous êtes en train de jouer. Je vais taper sec. Je ne suis même pas en train de jouer avec quelqu'un. Dosez-nous assez de partage parce que je vais taper sec. Coucou Rosie Kamenima, c'est tout d'amour. Merci bébé, merci pour l'encadre. Abonnez-vous chez Paulin Kadji, mon petit frère d'amour. Chloé Kwasi, la lune, très belle, merci. Mais je suis très nerveuse ce soir. Je suis très nerveuse ce soir. Voilà. L'autre homme a dit qu'on a tellement insulté tes lèvres, pourtant les gens enviaient. Coucou maman Lili. Maman Lili. Maman Lille Sophie, maman d'amour, mon cœur. Ma fille, tu peux en et je ne te dis pas, c'est toi qui vas manger la dot. Moi, je dis que maman Lille, tu nous as manqué. Tu nous manques trop, maman. Tu nous manques trop. Non, je ne vais pas faire le bébé. Parce que je suis un soldat en brousse à l'heure actuelle. Je suis en brousse. Kelly. Moi, je suis en brousse. Je ne suis pas dans vos choses de gens. Maman Lili, ne commence pas. Ne commence pas à rire. Je suis en brousse. Partagez le direct, mes amours. Je vais taper sec. Je ne suis pas là pour jouer avec quelqu'un. Je suis en brousse. Même, Lili, je vais vous dire un truc. Non, il faut qu'on arrive au moins à 250 avant que je parle. Depuis la brousse, je vous parle depuis la brousse. Je suis entrée en brousse avec ma carabine. Oui. On ne joue pas avec le nom de ma maman. On ne joue pas avec l'autorité de ma maman. On ne blague pas comme ça. On ne blague pas avec sa yam soeur. Tata Lolo, écho, vous m'écoutez? J'espère que le micro fonctionne. Depuis la brousse, je suis en brousse, j'ai ma carabine, je suis bien assise en brousse. Bien assise en brousse. Je vous regarde avec mes lunettes. Les lunettes, sinon, ça voit, il dit que ça déshabille, ça te voit nu. Donc si tu as l'âme, ça voit. Je suis en brousse. Parce que, Facebook est risqué. Facebook est risqué. Si elle fait comme si elle joue un peu avec la garde de ma maman et de sa yam soeur, vous allez nous faire le coup d'état. Vous allez nous faire quelque chose. J'ai compris que. Hey, je veux vous rappeler quelque chose. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes déjà à 150. Donc je peux dire bonsoir. Apparemment, on dit que les PDG ont trempé pour rester toujours au pouvoir. Maman, je vais arriver là-bas. I'm coming. Je vais taper sec. Il y a plusieurs sujets que les pleurs du mollet. Je vais vous donner vos mots. Bipez-moi tous ces racailles. Que ce soit en gringa. Que ce soit le nouveau président, prenez vos sièges, vous mettez vos fesses sur. Que ce soit l'ancien président, asseyez-vous. Je vais vous donner vos mots et puis je rentre en brousse. Je suis en brousse, hein? Je vous rappelle que moi, je suis en brousse, hein? Je suis en brousse, je suis rentré en brousse. Parce que vous ne méritez pas que je reste en ville avec vous. J'ai porté ma carabine, je suis entré en brousse avec.
Voilà. 250 et puis on commence. Je suis quand même... je suis la lionne Kenkam Lolo. La lionne Kenkam Lolo. Je porte ma casquette de la lionne Kenkam. Et puis on rajoute Lolo sur ça. Depuis la brousse. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'on blague? Vous pensez que nous sommes en train de blaguer? Je rappelle ici que mon papou là, du Camer, tu n'es plus le président des blogueurs. Tu n'as pas encore saisi le truc ou quoi? Tu ne réalises pas que tu n'es plus. Je comprends pas. Tu n'es plus le président des blogueurs. T'as rien compris? Je sais pas si c'est Bertrand qui te rassure encore derrière. Que non, peut-être. Tu n'es plus. Depuis la brousse avec ma carabine, tu n'es plus le président des blogueurs. Parce qu'un président, des blogueurs, coucou ma Happy Flor Magie, un président des blogueurs ne peut pas blaguer avec la sécurité. Mais... un président des blogueurs ne peut pas blaguer avec la sécurité de la reine d'Angleterre, de la légende et sa âme sœur. C'est nous qui te donnons ce pouvoir, qui t'avons donné ce pouvoir. C'est ma Mamoun, la légende Fleur de Lille, qui t'avons donné ce pouvoir avec sa âme sœur, la plus grande présentatrice de la Web TV de Facebook. Ce sont elles qui t'ont donné le pouvoir. Et ce pouvoir, moi, en tant que ta fille, Brenda et Sommet, j'ai porté cette casquette et je t'ai enlevé ce pouvoir. Je t'ai enlevé en tant que président des blogueurs. Et je porte ma casquette de la Lion Kenkam pour nommer... J'ai porté ma casquette de la lionne Kenkam pour nommer Kenkam Lolo pour nommer le nouveau président. Et la reine d'Angleterre et sa âme sœur ont validé. Mais sa âme sœur a dit que regardez encore là où vous partez. J'ai cru qu'elle blaguait. J'ai cru qu'elle jouait. Vous blaguez avec qui, moi? Vous pensez que moi je blague avec vous? Je me représente encore. Je suis la lionne Kenkam. On met et Lolo devant mon nom. Voilà. Je suis en brousse. Je ne fais confiance à personne. Mais j'ai nommé un président qui s'appelle Bertrand Chic Saumon. Et il y a sa vice-présidente qui s'appelle la marque Rose. J'ai constaté que le nouveau président qu'on a nommé veut un peu nous faire ça. Il veut jouer. Tu joues avec qui? Tu veux jouer avec moi? Tu veux blaguer avec la présidence? Tu penses qu'on blague? Tu penses que nous sommes en train de blaguer? Tu penses que c'est un jeu? Quand tu me vois, moi je blague avec la sécurité de ma Mamoun? Quand tu me vois, moi je blague avec la sécurité de sa âme sœur? Tu penses que nous sommes autour d'elle pour blaguer?
Tu penses que c'est un jeu? Tu penses qu'on t'a placé là-bas parce qu'on manquait qui on va placer là-bas? C'est pas parce que... En fait, je vais vous dire un truc. Moi, la Lionne Kenkam et Lolo, je ne blague pas avec la sécurité de ma maman et sa grande sœur. Je ne blague pas. Alors toi, monsieur le président, je ne suis pas de votre gouvernement. Mais non, je ne suis pas de votre gouvernement. Je suis une rebelle. Je suis la Lionne Kenkam et Lolo. Je ne suis pas de votre gouvernement. Moi, vous, non. Vous prêtez serment chez le pasteur supérieur, mon pasteur d'amour. Ça veut dire qu'à tout moment, moi, te botte les fesses. À tout moment, je te dégage. Ce n'est pas une supplication. Celui qui ne veut pas rester au pouvoir, il part. On nomme quelqu'un d'autre. Tu nous fais un coup bas, on te met au sol. Et la vice-présidente qu'on a nommée, la Marque Rose, c'est une femme qui a de la prestance. Donc à tout moment, elle peut prendre la relève, comme la reine d'Angleterre a dit avec sa jeune sœur. Comme Fleur de Lille et Tata Lolo TV ont parlé. À tout moment, elle prend ce poste. Oui. Donc ne pensez pas que quand on vous nomme, quand on vous arrête, on ne blague pas. Hein? Dukamé n'est plus le président des blogueurs. Oh. On n'est pas en train de tutuber. Ce n'est pas un jeu. Hein? Donc si tu veux jouer, monsieur le nouveau président, si tu veux jouer, pardon, démissionne. Démissionne. Je te parle en tant que la Lionne Kenkam et Lolo. Démissionne avant que moi je ne te jette comme j'ai jeté l'ancien président. Démissionne très vite. Moi, les blagues, je ne suis pas de votre gouvernement. Faites vos choses. Je suis la garde rapprochée de Fleur de Lille, la légende, et Tata Lolo TV. Donc, je ne suis pas mélangée à vous. Je suis une rebelle. D'accord? Vous pensez qu'une lionne peut être soumise à quelqu'un? Mais non. Je ne suis pas une soumise, moi. Quand ça ne va pas, c'est moi qui déloge. Vous voulez jouer avec la sécurité de la légende? Vous voulez jouer avec la sécurité de sa yam sœur? Vous blaguez? Vous pensez que c'est un jeu? Vous voyez l'ancien président, un monsieur qui se baladait dans tous les directs? Il méprisait la légende? Il méprisait sa yam sœur? Il manipule les gens? Quand il insulte la yam sœur, il valorise l'autre yam sœur? Quand on a compris le jeu, on démasque ce jeu, on le dégage de la présidence. Vous voulez jouer avec ça? Vous pensez que c'est un jeu? Je suis rentrée en brousse. Vous avez une semaine, pas plus, une semaine. Et si ma mamoun et sa yam soeur se plaint encore. J'ai dit même seulement fait un commentaire que je suis déçu. C'était bon, hein? Parce que là où j'étais là, c'est parce que la légende a parlé dans le direct que je suis restée tranquille. Là où j'étais en brousse là, là où je suis entrée en brousse là, je voulais déjà déloger le nouveau président.
C'est le fait que Fleur de Lille, ma maman, celle que je porte le nom de Kenkam, c'est le fait qu'elle est entrée dans le direct du nouveau président. Qui m'a fait? J'ai baissé la garde. Amen. Je suis une lionne, je ne refuse pas. Mais une lionne, écoute sa marraine. Une lionne, écoute sa yandante. Coucou maman. Maman. Maman, regarde comment elle. Maman, une lionne qui est en brousse, elle se soumet à sa reine. Mais oui. Elle dit, je me soumets à ma reine-mère. Donc, si vous pensez que le fait qu'on a délogé l'ancien président et mettre le nouveau, vous pensez que c'est le jeu. Moi, quand je vais déloger quelqu'un, ni ma maman, ni sa Yamson n'est au courant. Mais quand elle comprend que j'ai déjà délogé, elle lève les mains que, ok, si elle a délogé, ça veut dire que la personne a tort. Personne n'est au-dessus de la lionne. Je déloge quand je veux. Les seules personnes aux qui je me soumets sous la toile, c'est ma maman. C'est-à-dire que c'est ma maman. Coucou rêve. Et sa yam soeur, parce qu'elle sait qu'elle marche pour avec sa yam soeur. Oh. Donc c'est la dernière fois. Je faisais ce direct pour déloger le nouveau président. Maman, maman, laisse-moi être sérieuse. Maman, ma bouche, c'est qu'on insulte tous les jours. Je dis, c'est la dernière fois que le nouveau président blague avec la sécurité de la reine d'Angleterre et sa yam sœur. C'est la toute dernière fois. Moi, je ne suis pas dans votre gouvernement. Hein. Moi, c'est toi que vous dites que la lionne, ne me mélangez pas, je suis une lionne. Et quand vous voyez la légende qui m'a mise au monde et sa yam sœur, vous pensez que vous pouvez me mâcher? Vous pensez que vous pouvez me commander? Jamais. J'ai dit, je me soumets à deux personnes. Ma maman, la première, et la deuxième, sa yam sœur. Il n'y a pas deux. Je ne suis pas dans votre gouvernement. On vous a donné une tâche. On vous a donné un poste. Que ce soit la dernière fois. Dernière fois. Que les erreurs là se reproduisent. Je ne blague pas avec la sécurité de mes deux gens. Oui. Le pouvoir s'arrache et se garde. Ma maman reste la légende. Aujourd'hui, demain et après-demain. Sa yam sœur reste la plus grande présentatrice TV. Ouais. Aujourd'hui, demain et après-demain. C'est lui qui ne se sent pas capable de rester à la présidence. J'ai pris. Oh là là, attendez. Hey, c'est comme ça qu'on a framponné le compte de ma maman. Maman, je ne vois pas la caméra sur ton nom. Sors, tu reviens, sors complètement. Comme vous, votre temps maintenant, c'est signaler les gens. Vous pensez que ça va faire quoi? C'est la dernière fois que vous blaguez avec la sécurité de ces deux femmes d'honneur. La prochaine fois, je ne vais... Elles vont seulement constater que j'ai fait un autre coup d'état. Wow. C'est le constat hein, que j'ai déjà fini avec. Et quand j'applique, rêve, assume. Et on passe dessus. On acclame le nouveau président.
C'est la dernière fois. Vous vous prenez pour qui? Un imposteur comme Ducamet. Il entre dans ton direct, monsieur le président. Tu le prends comme si... Mais putain, mais tu rigoles avec nous ou quoi? Tu es en train de rigoler? Ouais, maman, pourquoi ça fait ça? Commente un peu, je vois si... Voilà, attendez, je vais te lancer l'appel, maman. Attends. Tu rigoles ou quoi? Tu penses que c'est un jeu? Quand je vais te déloger, Rêve va venir assumer. C'est fini, hein? C'est fini. C'est le constat qu'on va seulement faire. On continue notre vie. La nouvelle présidente, la marque rose qui est la vice-présidente, va monter. C'est même d'ailleurs une femme d'honneur. Donc ton poste là, c'est risqué. Tu dois la garder précieusement parce que tu es en danger. Tu es en danger. Ce n'est pas une blague. On te nomme président des blogueurs au-dessus de nous. Ouais, pourquoi ça fait ça? Tu vas blaguer avec quelqu'un? Tu vas blaguer avec un tintin qui joue avec nous? Qui joue avec nous? Il pense que nous, on a peur de lui. J'ai pas peur de lui, moi. J'ai pas peur de Ducamet. Ducamet, j'ai pris ma moune. Attends. Ça tourne, ça mouline. Je n'ai pas peur de Ducamet. J'ai pas peur qu'il m'insulte. J'ai pas peur de faire la guerre avec lui. Voilà. Ce qui est sûr, il n'est plus président des blogueurs. Oh. Il peut être président de la TKU, président des faux profils. Il ne peut pas être le président de la Lyon. Jamais. La Lyon, Kenkam et Lolo, jamais. Je refuse. Oh. Il ne sera jamais, je dis que plus jamais, jusqu'à ce que ma mamoun. Attendez, je vais un peu appeler ma mamoun par WhatsApp. Comme ici, là, vous avez à signaler nos comptes jusqu'à... Attendez, je l'appelle. Ma mamoun, quand tu viens m'affaiblir comme ça, c'est salope bien. Je suis en poussée. Mais, attends, tu penses qu'on joue? Tu penses que nous sommes en train de blaguer? Tu vois quelqu'un qui est bipolaire? Président. Ça y est, ça dit que, ok, comme tu as imposé, j'accepte. Il vient, il commence à jouer avec nous. Il entre en bourse à cause des miettes d'argent. Mais attends, je ne joue pas. Je suis pas en train de blaguer. Je suis en bourse, hein. Je suis en bourse. Je ne suis pas en ville, hein. Je ne suis pas dans vos... Je suis en bourse avec ma carabine. Attendez, j'appelle ma maman parce que là, ça mouline et puis... ça tourne, mais ça ne fait rien de... Voilà. J'appelle ma maman. Voilà. Attendez, j'appelle ma maman. Maman? Allô? Oui, maman. Maman, la paix du gouvernement, sinon, ça donne des nerfs. Ma fille. Maman. Ma fille. Maman. 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 Ouais. Maman. Qui n'aimerait pas être président des blogueurs? Présente comment Oha. Oha. Comme tu as dit, maman, sans toi ce soir, je devais le déloger. Le président, il ne va même pas faire une semaine dans le gouvernement, si pardon. C'est grave. C'est grave. Maman, la fête du gouvernement, là, c'est grave. Hein? C'est sérieux, maman. Mais attends, maman, tu penses que je blague avec ta sécurité? Non, mais attends, on ne lui a pas donné la mallette. Hein? La mallette, c'est la vie. Oh, la bête, il n'a pas le nouveau président, n'a pas la mallette pour Isaïe. On regarde d'abord. La sécurité internationale, tu comprends, parce qu'on ne sait jamais. Mm-hmm. Non, il n'a pas la mallette. Il n'a pas encore la mallette. La mallette. Ce que tu dis, c'est ça.
Ça veut dire que Tayamso et toi, vous avez dit qu'on ne lui donne pas encore la mallette. Non, voilà. Pas pour le moment. Mais il est notre président. Parce que dès qu'on m'a mouru, tout le monde a validé. Maman, il voulait te demander que tu aies une bébouille, une blogueuse, un bracata. Qui allait pomper la bouche. Pomper la bouche. Pour te ressembler, maman, tu es un exemple. Et là, si je te ressemble vraiment, en tout cas, vive le nouveau gouvernement. Tous derrière le nouveau, notre présence au monde. Pouvoir au peuple. Vive la reine d'Angleterre. Je voulais appeler seulement pour te donner la force. Merci, maman. Maman. Bisous tous les Abel, les Lolo Magna, les Sespatrisson, les Koukoubi. Bisous, maman. Oh, oh, ça laisse qui le gouvernement. Les pleurs de ça, les vestes de ça, maman. Il faut positionner les chats. Il faut positionner les chats. On ne trie pas encore. D'accord. Il faut positionner les chats autour du président parce que. On ne veut pas se lever le matin tout qu'on nous. Mais. Qu'on nous a fait un coup d'état. Même quand le président dort. On le contrôle. Peut-être qu'elle elle a reçu un coup de fil. Oui, maman. D'accord, maman. Ça va même, non? Ça va, non? Je continue le dire. D'accord, maman. D'accord, maman. D'accord, maman. Bisous tout à l'heure. Vous pensez que ce qu'on est en train de faire là, c'est un jeu? Vous pensez que nous sommes en train de jouer? On ne veut plus des présidents plaisantins. On ne veut plus les Camerounais qui vont venir sur la toile manipuler les gens, tripoter les gens, inventer les mensonges sur les gens du jour au lendemain. Ils changent comme les caméléons. Si vous, monsieur le nouveau président, je vous mets en garde. Monsieur le nouveau président, je vous mets en garde. Sachez que derrière moi, il y a plein de rebelles. Monsieur Bertrand Chissomon, si c'est dans l'œuvre, ce n'est pas rêve qui va refuser. Ni Mamamoun et Tata Lolo, personne ne va refuser. Donc je te mets en garde. Des trucs que tu ris sur WhatsApp avec le... C'est un manipulateur. C'est un imposteur. Alors, si tu trouves que ton amitié est précieuse avec lui, si tu trouves que tu as envie de manquer de ricaner avec lui, va avec lui. Hein. Il y a une prochaine erreur. C'est le coup d'état. Moi, je suis en Bruxelles, je ne suis plus en ville. Prochaine erreur, coup d'état. La légende va seulement constater et accepter avec sa yamseur.
Déjà que sa Yamcha a dit que regardez encore bien, elle me met doute. Tu n'as pas encore la mallette, hein? Ta mallette est chez Raven Biaï. Ta mallette est chez Raven Biaï. Et tu connais son caractère. Elle va pour te donner la mallette là. Hein? Pour qu'elle te donne la mallette de présidence. Ma, il a dit que la légende est partie déposer la mallette. Je rêve bien. Et moi, je suis en brousse. C'est pas facile, hein? Si tu lui as fait les promesses que oh, quand on va me donner la mallette, je vais te remettre là-bas. C'est ton problème, hein? C'est ton problème. C'est ton problème. Nous sommes la sécurité de nos deux. C'est-à-dire qu'elles vont rester là-bas aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça ne. Il dit que ça ne chauffe pas. Nous, on ne blague pas. Hey, je ne blague pas. Nous ne sommes pas en train de blaguer avec leur sécurité. La manipulation que vous faites, c'est dangereux. C'est dangereux. On te met président, tu commences à tu ris avec qui? Tu ris avec nous? Tu penses que nous on blague? Tu penses que nous sommes en train de jouer? Tu ricanes avec nous? Tu penses qu'on a manqué qui mettre là-bas? Comme la légende a dit, même si c'est le fou, on le prend, on met là-bas. Il tue, bon, allez, hey, en brousse. Moi, je suis en brousse. Hein. Je suis en brousse. On enlève tout. On ne prévient pas qu'on dégage un président. Hein. On le porte, on jette dehors. Nous, on ne donne même pas la lettre. C'est notre gouvernement, c'est comme ça. On le jette dehors. Donc, monsieur Dukamé et Sommet, vous n'êtes plus président des blogueurs. Moi, en tant que la Lionne Kinkam et Lolo, je dis, il y a longtemps que tu n'es plus président des blogueurs. Si tu veux, tu mets les vestes que tu veux, comme tu veux, même le gros titre que tu veux. La légende et sa Yamsi ont dit qu'ils ne sont plus là. Tu n'es plus là. Ils ont dit que le délogement est affirmé et confirmé. Le 2 novembre, à la prestigieuse nuit de l'ambiance, on va initier le nouveau président. C'est là que Rêve va remettre la mallette. Sinon, vous avez vu son direct de tout à l'heure, non? Elle était assise sur la mallette comme ça. Quand elle bouge, hé, hey, tu as vu comment elle t'a menacé, non, Dukamé? Elle t'a dit qu'elle n'a pas peur de faire la guerre avec toi. Moi-même, en tant que la Lionne Kinkam et Lolo, je suis en brousse et je n'ai pas peur de toi. Tu vas dire quoi sur nous que tu n'as pas encore dit? Tu vas manipuler qui? Tu accuses le tribalisme. Quand tu posais ta caméra pour mentir que tu as vu les Lolo de Tata Lolo, qui était avec toi? Quand tu posais ta caméra pour faire monter la poubelle des États-Unis pour qu'elle insulte ma grand-mère, Maman Anna, qui était là? Aujourd'hui, tu joues le tribalisme. Vous changez le président pour mettre votre frère. Nous, on va mettre même un fou. Ma maman a dit que, la légende a dit que, mieux on donne même un fou que de te remettre ça. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Tu n'es plus président des blogueurs. Oh. Pourquoi on parle même de ça? C'est le passé. Tu es le passé. Le passé. On ne veut même plus entendre parler de toi. Oui. On ne veut. C'est-à-dire que tu es le passé. On n'a même jamais. On te réunit, même on ne t'a jamais reconnu comme président des blogueurs. Tu fais un live où tu dis que Fleur devait sortir, dit aux abeilles de ne plus parler de compresseur. La meuf a apprécié le vêtement de compresseur. Ils ont pris son commentaire pour l'insulter avec. Tu es au courant? Tu le sais? Tu viens manipuler les gens et il faut que Fleur mouffe. Toi qui? Tu n'es même plus président et puis tu parles de la légende comme ça? Il faut habiller son nom? Faut habiller ton nom. Hmm?
son nom. Mince. Tu fais comme si tu veux valoriser sa yamsoeur. Tu penses qu'on a oublié. Pendant qu'elle était mariée, tu as menti sur elle. Que tu as vu ses lolos alors que tu mentais. Tu manipules qui? Tu penses que tu peux nous entasser? Tu nous manipules? Tu insultes ma maman, ma marraine, ma puissance. Tu poses ta caméra, tu me valorises. Tu penses qu'elle va tomber dans ton piège? Il n'y a que Bertrand Chic-Saumon qui peut tomber dans ça. D'accord? Il n'y a que lui qui peut... Il n'y a que le nouveau président. La Black Beauty, c'est comment ma sistou? J'ai confiance à toi et à la vice-présidente, la marque rose. Il n'y a que eux. Il n'y a que le Bertrand pour t'écouter. Mais nous là, nous... tu m'as fait ça avec qui? Tu m'as manipulé les qui? Oh, Fleur a laissé que... Elle a laissé que quoi? Toi-même, tu es un gros manipulateur. On ne sait même pas comment on a pu faire pour te garder aussi longtemps au pouvoir là-bas. Mais tu n'as même jamais été président. Je te renie. Je te renie, mais de haute forme. Le discours que tu as fait hier, c'est nul et sans effet. Du camé, nous, on n'a pas peur de tes injures. Je n'ai pas peur de tes injures. Je n'ai pas peur de ce que tu vas dire de moi. Oui. Je vous ai dit sur la toile. Hey, j'ai limité mes problèmes sur la toile. J'ai dit que je suis mort pour une place avec sa yam soeur. Là où ma maman part, on part ensemble. Si elle dit que on a déménagé, moi-même, je porte la valise, on part ensemble. Tu n'as encore rien compris. Garo, tu as choisi Fleur au lieu de moi, l'amitié. Quelle amitié? Tu m'as promis devant mes abonnés, devant les Lolomania, devant tout le monde, que tu ne vas plus jamais les attaquer. Dès que tu voyages, tu atterris, tu commences à laver les gens. Alors, la légende et sa yam soeur, Tata Lolo, ont dit que merci la Renaissance pour les étoiles. Elles ont dit que Monsieur Bertrand Chic-Saumon reste le président des blogueurs. Coucou Tata Mishkom, ma grande soeur d'amour. Mais la mallette de la présidence se trouve, la guerrière, la lionne, comment tu vas? La mallette de la présidence se trouve chez Rêve Ndiaye. Et sans mon accord, elle ne va pas donner cette mallette. Vous êtes en observation. Le nouveau gouvernement est en observation. Voilà. Je ne blague pas. Vous pensez que être président des blogueurs, c'est le jeu? Vous pensez... Président des blogueurs, c'est-à-dire que tu nous commandes, c'est-à-dire que... Mince! Vous jouez, ça ne va pas. Hey, on vous balance de côté. Hey! On vous balance de côté et puis on trouve quelqu'un d'autre. D'accord? Vite fait, même si c'est le fou, on met le fou. Dès que sa folie commence, on le renvoie dans le truc de la, dans la cage des fous. Et vite fait, on n'en parle plus. On ne supplie personne. Parce que le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir de Meta, c'est nous. J'ai cru entendre une blogueuse dire que wow, je n'ai pas empêché les marabouts. Mais vous, c'est toi. Je ne veux même pas que ma maman monte en ce moment. Maman laisse. Parce que la phase qu'elle prend ici, c'est une autre phase. Tu viens dire devant les gens que wow, toi, compresseur, tu dis devant, tu veux faire, tu veux alimenter les choses que la femme parle, que oh, il y a la magie, ma maman et sa yam soeur font la magie pour garder le pouvoir. Tu viens alimenter ça en disant que oh, hein, celle qui organisait a fait l'accident et il y a eu corpuscule de Bamileke.
Mais attends, ma chérie. Ce n'est pas les voix de Mamamoun qu'on a écouté. Elle disait qu'elle va mettre quelqu'un dans ses poches compresseur. C'est toi. Ce sont tes voix qu'on a écouté ici où tu disais que tu vas mettre la légende dans tes poches. On n'a jamais entendu le voice ni de Mamamoun ni de Sayam Sœur en train de dire qu'on va mettre quelqu'un dans les poches. C'est toi? Tu viens pleurnicher? Tu pleures quoi? La fleur de l'île Mamamoun et Sayam Sœur Tata Lolo ont dit: entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui vous encouragent. Ne vous entourez pas des personnes qui nous détestent. Toi, tu passes le temps, compressant, à racoler les ennemis de la légende, les ennemis de Sayam Sœur, pour faire ta team avec. Tu penses qu'ils vont sortir l'argent pour dépenser sur toi, mais non. I'm sorry. Je ne parle aucunement de ta soirée. Je ne sais même pas si ça a réussi ou pas. Mais je parle de du direct que tu as fait aujourd'hui. Tu veux manipuler les gens pour qu'on pense qu'il y a la magie? Mais non! Mais non! Tu es une menteuse, tu es une manipulatrice. Tu fais croire aux gens que... Oh, mais attendez, la légende, la mafia aux fleurs de lys que tu accuses aujourd'hui, compresseur, d'être tribal, de s'associer avec Sayam Sœur Tata Lolo, elle était avec toi hier. Elle était à côté de toi. Elle t'a soutenu. Elle a pris des cadeaux à sa team. Elle a lancé les litchis pour te soutenir, compresseur. J'ai pas envie, parce que ma mamoun est dans le direct, j'ai pas envie de t'appeler Ngrenda. Elle t'a soutenu. Elle pouvait prendre cet argent, elle donne à Sayam Sœur. Elle t'a soutenu. Elle a lavé ton sang. Elle s'est occupée de toi quand tu étais malade. Pendant ce temps, tu montais les coups sur elle. Hé, hey, tu veux manipuler les qui? Toujours parce qu'on dit que Flo, c'est elle qui a fait du mal. Compresseur, tu es celle-là qui a pourri le bloc camerounais avec la magie. Si on veut parler des personnes qui font la magie, tu es la première. Il n'y a même pas ton deux. Je parle, tu connais. Quand je parle, tu connais de quoi je parle. Je peux même enlever mes lunettes pour te dire. Tu sais de quoi je parle. C'est dans ton direct qu'on organise tout pour lancer les maladies aux gens. C'est toi qui appelle les bombok sur ton grand frère. Le couple me sent. Qui t'a nourri? Qui a tout fait pour que ta nouvelle, ton nouveau partenaire, parce que celle-là, elle voulait celle qui va vendre. Nous tous, nous savons que ta patronne qui vend les je ne fais pas de pub. Elle voulait quelqu'un comme Mafo. Mais ton grand frère a tourné. Coucou Rosie Kameni, a tourné, on t'a donné. Tu es incapable de faire la publicité, je t'ai aidé plusieurs fois à faire la pub sur TikTok. On se moquait, l'artiste Mbrakata, que tu as soutenu, se moquait de toi. Je suis venu te sauver dans TikTok plusieurs fois pour faire la publicité de cette société. Gratuitement. Parce que ma maman a dit que tu étais sa copine. Je t'ai soutenu sur TikTok. Compresseur, ta patronne a dit, entoure-toi de ceux qui vont t'encourager dans le réel. Ce n'est pas une injure, moi je ne te clash pas. Arrête de vouloir faire croire aux gens qu'il y a le tribalisme. Dans la team des abeilles, il y a tout genre. Il y a tout genre de patois. Chez les Lolomania, la reine mère des Lolomania, c'est une bassa. Tu vas dire quoi? Ma marraine Chokozout, pas ma marraine, celle qui me conseille avant que je n'aille finir chez ma mère, Mafo, c'est une boulou. Tu parles de quoi? De quel tribalisme tu parles, compresseur?
tu manipules les gens parce que tu as échoué. Tu n'arrêtes pas d'échouer. Tu échoues chaque jour. Pourquoi? Parce que tu t'entoures des personnes qui ne t'aiment pas. Des personnes qui détestent Fleur de Lille et Tata Lolo. Entoure-toi de tes fans, des personnes qui t'aiment. Moi, je suis sortie de nulle part. J'aime Maman Fo. Me voici jusqu'à aujourd'hui. Je suis même devenue star avec son nom. Voilà Rêve qui aime sa soeur. Jusqu'à aujourd'hui, elle est avec sa soeur. Entoure-toi des personnes qui t'aiment. Arrête de manipuler l'opinion publique. Tu ne peux pas nous manipuler. On va te dénoncer, mais de hâte. Tu veux manipuler qui comprend ça? Ah! Avant de manipuler les gens. Voilà. Est-ce que tu as annoncé aux gens que tu es... Oh, la TKU! La TKU! Est-ce que votre patron vous a annoncé que vous avez un nouveau bébé? Ou bien c'est les chaussures de ma maman, de ma maman qui vous intéressent? Ou bien c'est la vie de ma maman qui vous intéresse? Est-ce que vous avez annoncé que votre nouveau père est papa? Vous avez annoncé ça à la TKU? Parce que pendant que vous vous occupez des fesses de ma maman, des fesses de Tata Lolo, le père là partait mettre le mouna quelque part, mais de haute forme. Le père, tu es puissant. Il dit, pendant que vous prenez la jambe des orphelins pour aller vous doter avec, le gars est en train de faire fort. Mais c'est fort, maman. Et tu as encore le courage de t'asseoir pour venir parler aux grandes dames? Est-ce que tu peux t'asseoir là où ma faut s'asseoir, mon frère? Est-ce qu'il y a des choses qui sont occupées? Attends, il y a des compresseurs. Est-ce que tu peux t'asseoir là où la légende s'assoit? Mais non. Mais j'ai vu des personnes ici faire les postes où, quand la légende a fait un commentaire pour apprécier sa robe, je m'adresse aux personnes qui disent qu'ils sont avec ma mamoun. Ils font les postes contre elle. Je vous dis, c'est la guerre. Il dit, soit vous êtes avec elle, soit vous... Ma maman n'a jamais tort. Elle n'a jamais tort. Sa Yamson n'a jamais tort. Elle a apprécié la robe. C'est normal. Pendant que la TKU, les sans-têtes, l'insulte, vous vous dites que vous êtes avec elle et puis vous faites les postes sur elle. La prochaine fois, je clash la personne. Que ce soit un faux profil ou pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne viens pas lui reprocher en public. Tu peux l'envoyer le message même si elle ne lit pas. Ou alors tu te retires même pour un mois. Tranquille. Si tu veux, si la photo qui est sur ton profil t'empêche d'assumer ta team, maman, enlève la photo de ma maman. Elle n'a pas besoin de racailles. Allez, n'entre pas dans la manipulation. Oh, j'aime Tata Lolo. Tata, j'apprécie Tata Lolo. N'importe quoi. Donc, vous pensez que Tata Lolo n'est pas comme Gringa, hein? Gringa a faim. Pardon. Compressant a faim. Tata Lolo n'est pas comme compressant. Sa team joue fort. Mais de haute. Mais la team de compresseur mendie. Plus que même moi qui suis la fille de la légende. Donc Tata Lolo ne peut pas entrer dans votre jeu. Allez jouer avec Gringa. Compresseur. C'est là qu'on peut manipuler à cause de 5 francs. Tu viens t'asseoir aujourd'hui, tu dis qu'une groupuscule de personnes dénoncées, wow, les genoux sont montés, n'importe quoi, compresseur. Mais tu es sérieux là? Tu dis que le Cameroun n'assume pas. Quel Cameroun tu parles? Le Cameroun que tu as fait du proxénétisme et on t'a laissé partir? C'est le même Cameroun? Qu'on t'a pêché pour du poisson et on t'a laissé partir? C'est le même Cameroun que tu es en train de critiquer? On a eu pitié de toi jusqu'à ce que tu as dit que tu étais handicapé. Je parle de compresseur qui vit à village, hein? Yon yon.
Tu veux manipuler les qui? Ah, c'est maintenant que tu connais le Cameroun. C'est ça? C'est maintenant que tu connais le Cameroun, maman. De quel Cameroun tu parles? De quel Cameroun tu parles? Un Cameroun qui t'a aimé, compresseur. Quand tu es passé dans la plus grande TV du pays, tu passais en tant que qui? Toi, une femme qui escroque les gens pour faire les dons, tu es passé dans la plus grande TV de ce pays, on t'a laissé. Tu as volé les billets pour entrer à la présidence. Injustement. On t'a pris, tu as fifolé injustement. Entrer à la présidence, compresseur. On t'a laissé. On a fait vu et ignoré. Si on t'a, comme tu dis que wow, le gouvernement camerounais, si on t'attrape maintenant de nous montrer qui t'a invité, est-ce que tu peux le faire? Tu appelles le peuple camerounais? Tu es sérieuse là? Est-ce que tu es sérieuse dans ce que tu es en train de faire? Ou bien comme tu ne sais pas lire et écrire? C'est ça qui fait en sorte que tu parles les choses où on t'a seulement, où Ndolé, Awa t'a dit que va elle-même, elle sait lire. Où elle t'a dit que va dire, tu es seulement venu t'asseoir. Les Camerounais ne doivent plus accepter. Mais accepter quoi? Une nulle comme toi, on a pu t'accueillir dans un pays comme celui-ci, te donner un plateau TV. Tu pars, t'assois, tu dénigres notre pays parce qu'ils veulent la justice. Mamamoun a parlé, a dit une vérité à cette dame de gélule que je tais le nom. Elle a dit, ma chérie, on ne fait pas le commerce avec la guerre. Si elle a cerveau pour comprendre, qu'elle comprenne. Ngrenga, quand tu vois ton contrat danser déjà là-bas, pardon, compresseur, quand tu vois ton contrat en train de danser et que ton gars est enceinte une fille jusqu'à accoucher, tu guettes déjà prendre un contrat chez les gélules avec le nom de Tata Lolo. C'est avec le nom de Tata Lolo que tu es en train de guetter le nouveau contrat là-bas. Maman, toi, la femme des gélules là, ouvre ton cerveau. Réfléchis. Ne donne même pas 5 francs. T'es un franc ne cherche plus son frère. Mieux tu laisses l'affaire si tu restes tranquille. Parce qu'un gringa, elle se use sans sentiment. Elle va venir te manipuler. Oh, moi je vais parler de ça. Elle pense qu'elles sont qui? Gringa n'est personne dans Meta. Gringa ne peut pas parler là où Flore de Lille parle. Gringa ne peut pas parler là où Tata Lolo parle. Elle va te mentir. Elle sait à quoi? Elle n'a même pas une page de 10 000 abonnés. Elle est incapable depuis un an d'avoir 10 000 abonnés. Elle va parler. Attends. Elle dit que ouais, j'ai cherché le numéro. J'ai demandé à Nicole de me donner le numéro comme quelqu'un qui est important. Mais Gringa, tu n'es personne. Qui va t'écouter? Tu penses que même si c'est une grande autorité, il peut s'asseoir pour t'écouter une seconde? Toi qui pleurniches à tous les niveaux, hein, pardon, hein, je veux. Mais dis donc, tu veux manipuler les qui en fait? Tu ne peux pas nous manipuler. Tu es très petite pour nous manipuler. Gawa, un corpuscule de personnes. Hein, quand vous laissez, on fait à votre soeur manger son argent. Mais attends, ma chérie. Hey, c'est une Bamileke qui a cotisé 1500 euros pour donner dans ton. Pour que tu fêtes ton anniversaire, que tu appelles que les dons là. C'est une Bamileke qui s'appelle Flore de Lille qui a cotisé pour ton anniversaire que tu es allé manger, te doter avec. D'accord. Tu veux manipuler les qui? C'est une Bamileke. Hein? Et il y a plein de Bamileke qui ont cotisé pour toi. Et dans ta team, il y a plein de Bamileke. Il y a une autre là, Aleka, ou c'est Kamkam, ou c'est quoi? Qui m'appelait, parlait même le patois. Il y a les Bamileke dans ta team. Boum, Kenakon, tu as de l'Italie. Celle-là qui se lave une fois par an. C'est une Bamileke. Et elle avec toi. Tu parles de quel tribalisme en fait? Parce que deux sœurs ont décidé de se réconcilier. Deux sœurs ont décidé d'arrêter la guerre. Ça devient le tribalisme. Oh là là, c'est quand ça vous arrange. Mais oui, c'est quand
quand ça vous arrange. Parce que tu profitais. Tu collais sur ma maman, elle prenait, elle grattait, elle te donnait. Elle-même, elle ne pensait même plus à elle. Pour donner à une ingrate comme toi, une incapable, qui ne sert à rien dans la nature. Tu sors aujourd'hui, tu commences à faire comme celle qui a opéré ses lèvres pour être comme moi. Bolingo, la droguée interne, celle qui a raté sa vie en bain. Une ancienne femme comme ça, qui, c'est-à-dire que les asticots sont pleins partout dans sa maison. Une rare femme que quand tu manges chez elle, tu vomis tout de suite. Une écervelée qu'on ne sait même pas comment on va faire pour qu'elle se calme. Tu pars te rallier à elle. Est-ce que toi, tu es quelqu'un? Tu n'es pas quelqu'un. Ma chérie, ta patronne s'est plainte. Compresseur, mets-toi au travail. Le temps de te plaindre de ma maman. Et sa yam soeur, fais tes publicités. Partage tes pubs. Arrête de racoler un homme qui est pervers narcissique comme celui-là. Arrête de mettre toute ta vie dans la vie d'un homme. Tu peux encore faire quelque chose de ta vie. Tu veux mettre les nerfs de l'enfant que ton mari est parti donner sur ma marraine, sur ma mère. Et sa yam soeur, ce ne sont pas elles qui sont allées enceinter l'angard de ton gars. Assume. Et pour le reste des racoleuses, là, les bakwa se cassent ou c'est quoi là? Hé, pardon, ne parlez même plus de ces histoires-là. Parce que une comme moi, la lionne Kenkam et Lolo, moi je ne peux pas, je ne peux même pas parler de celle-là. Les gens qui parlent comme s'ils ont la grenouille dans la bouche, je ne parle pas d'eux. Ils vont me payer pour qu'ils parlent d'eux. Oui. Oui. Parce que si tu es une vraie personne, tu peux aller chercher la tamaya de Ebolingo. Une sale femme, une narienga qui... Regarde aujourd'hui ce que tu as fait de tes lèvres. Une envieuse de première. C'est pas toi qui insultais les gens avec leurs lèvres. Compresseur, tu as insulté la bouche de Madame Chapuis, notre abeille de la République. Tu as insulté sa bouche. Tu as insulté les gens qui ont fait la chirurgie. Tes seins compresseurs sortent d'où? D'abord que tu as fait la chirurgie, compresseur, tu n'arrives pas à voir les seins comme ma part que je n'ai même pas fait la chirurgie là. Ta chirurgie, tes seins sont tombés. Tu parles de la chirurgie des autres. Voilà alors ta belle-sœur. C'est qui a dit que tu ne vas jamais traverser sans Melima. On a retenu ça. Compresseur, Bolingo, la courte femme la plus méchante de cette planète, rate la pourriture là, a dit que tu ne vas jamais traverser sans Melima. Ce n'est pas nous, ce n'est pas Fleur de Lille, ce n'est pas Tata Lolo. Non, ce n'est pas nous, hein. C'est vous, c'est toi, c'est ta belle-sœur qui a dit que tu ne vas jamais traverser sans Melima. Et elle ne ment pas. Bolingo ne ment pas. Elle a dit que tu ne vas jamais être épousé et tu ne vas jamais traverser sans Melima. J'ai une de tes vidéos que tu disais qu'un homme peut te tromper, mais qui ne te ramène pas l'enfant à la maison. Et... Maman, la personnalité. Tu as dit que tu as la personnalité, non? Moi, la lionne Kenkam et Lolo, j'attends que tu te sépares de ce gars. C'est toi qui avais parlé. Tu avais dit qu'un gars peut me tromper, nanani, nanana, mais qui ne me ramène pas l'enfant à la maison. C'est là que c'est fini. Ok. Il t'a trompé. Il a fait l'enfant, il a mis sur ça. Nous, on attend ta séparation. Toi qui as la personnalité, qui est dans un foyer, ma, compresseur, je ne te clash pas, hein. On attend ta séparation. Oui. Parce que Manta Guinness, la courte femme d'Astico, là, elle a dit que tu ne seras jamais à San Melima. Et nous connaissons. Quand elle parle comme ça, elle n'a pas tourné sa mamie de Kokambala.
Elle te tourne dedans avec ton mari. Elle tourne, elle tourne, elle te maudit. Oui. Tu parles de maraboutage. Et tu marches avec Bolingo. Et tu pars, tu crois. Bolingo t'a dit, elle t'a tourné dans la mamie. La mamie que tu connais là. Tu ne seras jamais en paix avec ton mari. Selon Bolingo, ce n'est pas moi, je répète ces mots. Et elle avait dit vrai, que tu ne vas jamais traverser sans minima. C'est à elle que tu dois t'en prendre. Oui, tu dois coller la paix à ma maman. Tu dois arrêter de manipuler les gens. C'est une femme qui t'a aimé, compresseur. Fleur de Lys t'a aimé. Elle t'a fait du bien. Elle t'a donné tout. Mais de haute force. Mais derrière son dos. Sa Yamsa lui parlait même, elle ne comprenait pas. Elle t'a tout donné. L'amour, le matériel, tout. Compresseur, tu n'as pas su l'entretenir. Tu n'as pas su garder son bon cœur. Tu as cru que non, comme tu l'avais mis dans la bouteille. Tu avais mis tous les abeilles. Tu avais mis la lionne, mouf. Tu me connais même d'abord. Une nyang nyang comme moi. Mon totem, c'est le nyang nyang et c'est le lion. Mon totem, c'est le lion. Tu peux me mettre là. Tu mets ma maman dans la bouteille. Je me transforme en lion. Je ne peux pas la retirer. Tu peux toucher à une nyang nyang. Il y a dit mon totem, c'est le lion. Tu peux m'avaler. Tu étais sûr que tu as fini avec elle. Que non, elle est dans la bouteille. Oui. Parce que même quand sa Yamsa disait que wow, 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 tu venais parler, elle comprenait. Tu avais oublié qu'elle a les gens comme nous. Tu lui as perdu. Oui, compresseur. Tu vas être traumatisé toute ta vie. Et aujourd'hui, elle a déchiré vos photos. Et compresseur. Ma maman Fleur de Lys a déchiré vos photos. Parce que c'est une femme de valeur. C'est une femme qui est amour. Quand elle aime, elle te prouve qu'elle t'aime. Elle t'a donné tout son amour. Tu as pris. Tu as bafoué. Tu te dis que tu étais arrivé. Comme tu es une... Je n'ai pas envie de t'insulter. Mais je veux que tu comprennes mon message. Tu as perdu... La Nomba Uno. Tu as perdu ta retraite. Oui. Fleur de Lys était ta retraite. Tu comptais sur qui? Celui qui enseigne toutes les femmes? Celui qui enseigne toutes les femmes? Tu comptais sur qui? Tu comptais sur qui? La TKO, il y a combien de personnes? Christian Monacelle, celui-là, qui? L'avait sa mère. Tu lui as perdu. Et je répète, compresseur, tu as perdu Fleur de Lys. Tu as compris avec quoi? Et c'est dedans ou bien? Je répète, tu as bien compris ça? Tu as perdu ta retraite. C'est fini. Oui. C'est fini. Parce que tu es une traître. Tu es méchante. Tu ne connais pas la valeur des personnes qui t'aident. Voilà Ndolo Moulema. Qui a la rage contre toi. Parce qu'elle faisait du sale pour toi. Tu étais la première à la trahir. Même ma maman a couvert Ndolo Moulema. Mais toi qu'elle a aidé. Tu étais la première. Elle a jeté. Point moins que rien. C'est comme ça que quand on vient t'aider, dès qu'on tourne le... Eh, celle qui a les yeux en facette, elle est où? Elle est où? Elle t'a aidé, ça ne fait pas quelques mois. Elle a voulu même nous insulter. Elle a voulu s'accrocher sur ma maman. Elle est où? Eh, Michel, je te fais un coucou. Est-ce qu'on ne t'avait pas prévenu? Que compresseur, c'est une ingrate. On t'avait pas prévenu ça. Aujourd'hui, tout
l'argent que tu as pris à ton mari pour lui donner, c'est où? Elle te donne du respect? Est-ce que sa team n'arrête pas de t'insulter? Depuis la brousse, la lionne Kinkam et Lolo, nous on te rit. Et te rit, mais de haute fort, puissamment. Oui. Parce que quand vous êtes faible d'esprit, c'est comme ça qu'on va vous prendre. Moi, on ne me prend pas comme ça. Jamais. Tu ne peux pas m'avoir comme ça. Tu sais pourquoi, compresseur? Tu sais que tu as tant voulu avoir les gens comme nous, comme moi, comme rêve, comme les abeilles dans autour de toi. Tu sais. Mais tu ne peux pas nous avoir parce que nous sommes des personnes vraies. Même un lionceau, tu ne peux pas avoir dans ta team. Parce qu'il y a souvent les teams, il peut pas avoir un lionceau qui apprécie. Je n'ai aucun lionceau qui t'apprécie. Aucun. Parce que tu es une fausse personne. Tu trahis les gens. Il y a les commentaires supprimés. Mettez seulement la tête de moi, je supprime, non? Tu as chié sur ta route, compresseur. Arrête de pleurnicher comme une enfant. Qu'est-ce que tu veux? Que ma maman laisse sa yam soeur pour revenir avec toi. Et c'est en criant qu'au tribalisme menti sur elle qu'elle va revenir vers toi. Mais non. Compresseur, tu as tout perdu. Parce que même moi, quand je faisais ta publicité, j'étais dès dans TikTok et partout. C'était par rapport à ma maman. Tu as tout perdu. Il n'y a plus rien à faire. Oui. Parce que ma maman s'est dit que non, peut-être en prenant une comme toi, ça va être bien. Et puis, il n'y aura pas le tribalisme. Mais non. Tu étais la première à la trahir. Tu te prenais pour qui quand tu faisais les lives pour l'insulter? Tu te prenais pour qui? Quand elle demandait à Nicole Conchap d'arrêter d'insulter sa Yamso et tu lançais les lacs pour venir te faire passer pour la grande critiqueuse, celle-là qui peut la parler fort. Tu te prenais pour qui? Tu ne t'attendais pas à la chute libre. Je ne te clash pas, je te dis la vérité. Tu ne t'attendais pas à la chute libre. Tu pensais que c'est toi. Que tu l'as dans la bouteille, oh, c'est toi. Tu ne savais pas que moi, la lionne, que j'ai le totem d'une lionne, on devait aller l'enlever, on devait la tremper dans le lac baleine et l'enlever. Tu ne savais pas. Non. Tu as tout perdu. Ce que tu peux faire maintenant, compresseur, c'est de la fermer. Une fois pour toutes. Te contacter, te contenter de peut-être la publicité que tu vas avoir. Le peu qui te reste, le reste qui te reste. Parce que même moi, la fille de la légende, j'ai même plus de... Je sais pas. J'ai même plus d'audience, j'ai même plus de publicité que toi. Je suis même déjà plus star que toi. 9000 abonnés, tu veux parler à une légende? Est-ce que toi, tu peux te comparer à elle? Elle t'apprécie parce qu'elle a pitié. Elle ne veut pas qu'on te rabaisse. C'est pas pitié qu'elle essaie un peu. Elle ne veut pas. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous avez déjà vu le président de la République. Notre président. Quand il rencontre les anciens présidents, il se donne du respect. Quand les autres nouveaux présidents rencontrent notre président, on lui donne du respect. Pas parce qu'on l'aime trop, non. Parce qu'on n'a pas envie de le rabaisser. C'est ça que la légende t'a fait. C'est ça que la légende t'a fait. Mais tu n'as rien compris. Tu as cru que, oh, c'est parce que tu es trop. Mais tu n'es personne, compresseur. Tu n'es personne, en fait. Tu as combien d'abonnés? Hein? Tu n'es personne. La seule personne qui a voulu te prendre... Je vais vous dire un truc. Hein. La seule personne qui a, qui, a,
qui t'a pris au moins que oh, tu lui as tu l'as trahi même déjà. Elle a fait le dire l'autre jour, hein, ta patronne, c'est que moi je suis dans la posture où la fille de Mafo ne doit pas parler des contrats des gens. La fille de Mafo ne doit pas parler des soirées des gens. Bon, la fille de la Mafo, la tante de Tata Lolo ne doit, la nièce de Tata Lolo ne doit pas parler des... Je suis dans cette posture, sinon... Nguenga! Compresseur, pardon. Toi et moi, l'autre jour là, on a tout compris, non? Ou bien, il faut encore qu'on t'explique le 2 novembre. Il faut qu'on t'explique encore le 2 novembre. Maman Linless, maman, bisous maman, mon cœur d'amour. On t'explique encore quelque chose ou bien? Pourquoi tu insultes Tata Lolo? Attendez, il y a un commentaire qu'on a mis, les têtes de moi. Ah, c'est alors la personne qui a mis la tête de mort qu'on doit bloquer. Voilà. Ah non, voilà. Ah oui, j'ai bloqué. Ok, merci pour les têtes de mort, j'ai bloqué. Merci beaucoup. Ne commentez pas sur ça, j'ai déjà bloqué. C'est bon. J'ai bloqué, c'est bon. Ne commentez pas dessus. Parce que quand vous commentez, ça descend. Et c'est pas bon. Ne commentez plus, j'ai bloqué. Et après le direct, je supprime le commentaire. Tu pensais que c'est le jeu compressant? Tu pensais que être à coucou, ma sistou, Marie-Claire, officielle. J'ai bloqué. Tu pensais que être à côté de la légende, c'est un jeu? Compressant. Il n'y a plus rien à faire. Arrête de pleurnicher comme une petite fille qui a 12 ans. Arrête ça. Mais parce que quand j'étais vue en direct aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir une petite fille, un enfant de 5 ans qu'on l'a enlevé le biberon dans la bouche. J'ai eu l'impression de voir un petit bébé qu'on a enlevé le biberon, elle est en train de pleurer. Il veut me têter, il veut têter. Mais tu es ridicule. Mais attends. J'ai eu l'impression de voir un nouveau-né. J'étais dépassée. J'ai dit, mais attends, à un moment donné, tu peux cacher quand même tes pleurs. Tu peux pas quand même venir devant les gens pleurnicher comme ça. Comprends ça. Tu peux pas pleurer comme ça. Le couple me semblait où? Le couple me semble à quel niveau? Un couple qui t'a mis en haut, qui t'a trouvé un gros contrat. Tu les as jetés comme une vieille serpillère. Tu penses que c'est ma maman qui va encore te faire confiance? Mais non. Mais non, compresseur. Pleure comme tu veux. Pleurniche comme tu veux. Pleure, ça fait... Mais qui va encore tomber dans ça? Personne. Personne ne peut plus tomber dans ta manipulation. Une personne que pendant que tu es en train de nettoyer ses urines, elle est malade. Elle est en train de monter le coup pour te détruire. Tu penses qu'avec tout ce que tu as fait, elle va tomber sur tes pleurs. Il s'associe. Elle est Yamse. Il s'associe. Même pas 300 personnes comprennent ça. Même pas 300 personnes à t'écouter. Même pas 10 000 abonnés. Tu ne vois pas qu'il faut aller. Qu'il faut arrêter un peu. Tu vois pas? Voilà ta patronne qui sort déjà sur toi. Hein. Je ne parle pas moi. Parce que moi, j'ai les contrats. Je ne touche pas ton gagne-pain. Et tu parles de magie. Mais c'est toi, la magicienne, à ce qu'on sache. C'est toi qui as les bonbons.
C'est toi que les bonbons sont venus donner 3 jours à quelqu'un. Tu accuses les gens. Tu es venu accuser M. Messang qu'il a fini son frère. Pourtant, c'est toi qui as fait monter un bonbon pour lui donner 3 jours. Qui nous dit que ce n'est pas les 3 jours-là que ça a pris son frère? Qui nous dit que ce n'est pas toi qui as fini son frère? Compresseur, désormais, quand tu sors, suis ma reine-mère, Fleur de Lys. Arrange-toi à avoir des arguments convaincants pour t'asseoir et parler d'elle et sa âme sœur. Parce que tu es tellement nul en fait. Tu es nul. Tu n'as pas d'argument. Le seul argument, vous avez le tribalisme. Mais attends, Ndolé, Awas, elle s'assoit tous les jours, elle insulte les Bamileke. Tu nous as vu, on s'est assis, on a insulté les Mba, non? Nous, on a les arguments. Quand Tata Lolo s'assoit pour parler, elle a les arguments. On écoute, elle parle, on comprend là où elle va. Quand la Mafo s'assoit, parle, on l'écoute parce qu'elle a des arguments. Tu t'assois, tu pleurniches comme une petite fille. Tu pleures quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh oui, on a fait la sédame, c'est parce qu'on était mis à fond. Attends, on voit le 2 novembre. Le 2 novembre, à la prestigieuse nuit de l'ambiance. Mettez les cœurs pour le 2 novembre. La puissance. Maman, c'est la Web TV de la Tata Lolo TV qui va filmer. Et puis tu vas voir ce qu'on appelle la compétence, le travail. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà, merci chérie de commenter et bloquer. Oh là là, pourquoi? Oh, j'ai pas supprimé, j'ai bloqué. Ok. Tu vas voir ce qu'on appelle la compétence. Pendant que vous pleurnichez, vous la caricaturez, elle vous apprécie. Elle vend ses tables. On fait les publicités. Sur ma page, s'il y a peut-être 10 publications, il y a au moins 8 publicités qui m'appartiennent et qui appartiennent à ma reine-mère ou à Tata Lolo. C'est ça qu'on appelle la voix des personnes qui t'aiment. C'est ça qu'on appelle la voix des personnes qui t'encouragent. Oui. C'est ça. C'est pas des personnes qui ils viennent clasher parce qu'ils veulent la visibilité. Non. La chose la plus importante pour moi maintenant, c'est le 2 novembre. C'est-à-dire que même quand je fais mes challenges TikTok, je n'oublie pas de mettre le 2 novembre dedans. Même quand je fais mes petites vidéos, je n'oublie pas de mettre le 2 novembre. Et c'est comme ça que si Tata Lolo lance son événement, attendez, je vais bloquer ça. J'ai d'abord supprimé, mais je vais bloquer. Oh là là. Même quand Tata Lolo va lancer, coucou maman Flor Kungan, coucou maman. Même quand elle va lancer, on va faire la pub. On ne dort pas, hein? Non. Même quand je n'ai pas le crédit, s'il me reste peut-être 500 mégas que je peux faire, un petit TikTok, je mets la publicité du 2 novembre dedans, je fais. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. Oui. Je fais. Voilà. Et ma reine-mère ne peut pas partager mes publicités autres. Et je ne peux pas partager les publicités autres. Par exemple, comme Orange, je ne peux pas partager. Comme Tatorsen, elle ne peut pas partager. Elle ne peut pas partager mes publicités. Mais le 2, c'est le 2 novembre qui nous relie. Nous tous. C'est le 2 novembre. Parce que nous, on connaît fait la part des choses. Nous, on bosse, on travaille.
Non, boss. On n'est pas là. Nous ne sommes pas faibles. On n'est pas là pour tituber. On n'est pas là pour lancer les dire. Après, on raccroche. Non. Entoure-toi des personnes qui t'aiment, compresseur. Arrête de t'entourer des personnes qui te font croire que le tribalisme, wow, le tribalisme est monté. Wow, nuit et jour. Tribalisme. Arrête. Arrête. Tu me fais croire quoi aux gens? Tu pleurniches comme une petite fille de 12 ans. Même moi, je ne pleure pas comme toi. Même moi, je ne pleure pas. Vous réunissez. Qu'est-ce que tu peux bien parler sur l'affaire des gélules qui peut bien changer quelque chose? Tu as parlé aujourd'hui, ça a changé quoi? Parlons peu, parlons vrai. Parce que je suis sûre que tu veux mettre la fille en confiance pour qu'elle te donne le contrat. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Mais si la maf au fleur de l'île, ce que la maf au fleur de l'île a parlé aujourd'hui, ça a tapé fort, mais de haute. Mais de haute forme. Quelqu'un parle là. Moi, je n'ai pas mis le filtre. J'ai un peu zéro filtre. Donc, vous pouvez voir toute ma beauté ou bien je suis comment? Ma bouche. Les lèvres de Sadama. La fille de qui est? Compresseur. La seule chose que Tata Lolo, la maf ou la légende t'a dit, c'est que entoure-toi des personnes qui t'aiment et non des personnes qui les détestent. La vice-présidente, la Mac Rose. Un président. Entoure-toi des personnes qui t'aiment et non les personnes qui nous détestent. C'est tout ce qu'elles t'ont dit. Tu sors, tu dis, oh, tribali, oh, 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 tu cries, tu racontes des histoires. Tu racontes quoi? C'est la même mafo qui t'a soutenu. Oui. On est en train de dire la vérité à ceux qui vendent les gélules là, que ma laisse. Laisse. Là où tu parles, c'est un terrain glissant. Tu sors, tu lui dis qu'elle oh, ne doit pas laisser. Toi-même, ta part te dépasse. Tes problèmes ici sur Facebook, ça te dépasse. Tu vas encore aller porter pour elle pour dire que oh, non, non, laisse. Porte ton mari, tu vas t'asseoir devant la police. C'est Tata Lolo qui va donner la retraite à son mari ou quoi? Je ne comprends pas. Tu voulais dire quoi en fait? Tu voulais dire quoi? C'est Tata Lolo qui doit gérer les choses de... Mais je ne comprends pas. Mais, non, mais attends. Compresseur. C'est Tata Lolo qui doit gérer la retraite de son mari ou bien les soins de son mari. Il faut nous... Parce que quand tu branches ta caméra, tu veux soutenir quelqu'un. Je te dis, viens avec les arguments. La maf a dit que laisse ce que tu es en train de faire. On te trompe. Et quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Tu viens nous parler de tribalisme. On doit dénoncer. Elle doit porter son mari et ses enfants pour aller s'asseoir. Et réclamer que comme toi-même tu dois. Compresseur, tu dois aux gens. Tu as pris l'argent d'une tata que moi je connais. Pour la livrer, pour, on dit pour la livrer, pour la livrer la ceinture. Plus de 80 euros. Est-ce que tu as remis? Tu veux dénoncer quoi? Est-ce que tu lui as remis son argent? Non. Tu as l'argent de quelqu'un dans ton ventre. Et tu viens allumer la caméra. On dénonce, on dénonce. C'est juste que tes affaires ne nous intéressent pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Toi-même, tu dois. Avant de réclamer que l'autre doit, remets l'argent de celle que tu dois. Ah, j'ai oublié. Il n'y a plus la légende pour te dépanner. Asia, ça va aller, ça va passer. Mais tu ne peux pas parler fort quand toi-même tu as escroqué les gens. Quand toi-même tu dois. Tu dois. Tu sais de quoi je parle. Tu veux parler de Tata Lolo. Toi, tu dois. Faut
Pour remettre d'abord l'argent de ce que tu dois avant de venir parler des affaires de Tata Lolo. Mais la justice, c'est la justice même, regardez ce que tu dis. Ce qu'on a regardé, c'est que la dame que tu dois là, on a elle a apporté plainte jusqu'à qu'on t'a récupéré. Mais par pitié, elle te laisse. Tu dois. Moi-même, je ne parle pratiquement pas de ça, mais je sais, tu dois. Tu dois à quelqu'un. Et ce n'est même pas beaucoup. Tu n'arrives pas à rembourser. Et tu viens parler des affaires de Tata Lolo. Jusqu'à là où la mafo parle, tu viens pour contester. Alors que tu es une autre qui doit. Tu as une autre qui a insulté un handicapé ici. Avec tous les noms d'oiseaux. Tu as trahi ton frère. Tu as mis la sérologie. Tu as menti sur la sérologie de ton grand frère. Tu as menti sur lui. Tu viens nous dire qu'on a vu les gens ici qui publiaient les mères des gens. Tu n'as pas mis les voix de la mère de Dicolo ici sur la toile. C'est pas toi. Il n'y a pas une vidéo aussi. Quand tu disais que ta mère bon et tout ça, ce n'est pas toi, compresseur. Les gens qui parlent, hey, aujourd'hui tu veux donner les coups de poing à Madame Guylaine Chapuis, mais attends, dis donc, mais dis donc, ce n'est pas toi qui es parti, tu t'es rallié à la baisse à mes pour publier ma mère et ma fille. Ce n'est pas toi qui partage là où on insulte la mère de ma maman, ma grand-mère, maman Anna. Ce n'est pas toi, compresseur. Tu parles de quoi en fait? J'ai envie de comprendre un peu ce que tu veux. Mais tu es nul, tu. Mais dégage putain! Mais arrête! Tu délies! Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi quand toi tu as partagé les lives où on insultait ma mère, compresseur? Tu parles de quoi? Les gens qui viennent insulter là, ils ont mal. Mettez les cœurs. Mais, il dit que, avant de poser ta caméra pour parler à ma maman est occupée. Elle est occupée. Elle n'a pas le temps de faire les lives. Avant de poser ta caméra pour parler d'elle, arrange les arguments. Avant de poser ta caméra pour parler des affaires de Tata Lolo, arrange ta caméra. Arrange bien les arguments. Tu ne peux pas sortir, parler des dettes des gens, alors que toi-même, tu as les dettes des gens. Que tu n'as pas remis, tu as pris Oha. Tu as filmé le corps de Virus Lydia, du père de Virus Lydia. Ici, on a vu. Tu parles de quoi? Tu veux nous parler de quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Vous êtes sur la toile qu'au lieu de parler, il y a un gars qui est mort en Allemagne. Au lieu de dénoncer ça, vous dites que vous êtes les grandes blogueuses. Et, comprends ça, tu donnes les ordres à qui? Mais tu as ton blog? Tu as ta page? Mais j'ai voulu parler de ça, on a bloqué ma page. N'importe quoi. Donc nous sommes bêtes comme toi, tu veux dire? Donc tu as voulu poser ta caméra pour dénoncer le fait que quelqu'un a poignardé quelqu'un. Et subitement, on a bloqué ta page. N'importe quoi. Quand tu nous regardes là, nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. Vous êtes là, vous dites que vous êtes les grandes bleues, mais on ne dit pas. Compresseur. La mafo, c'est la légende. C'est la Nomba Uno. Tata Lolo, c'est la plus grande présentatrice TV. Est-ce qu'on dit? On voit. Ce qu'on voit, on parle. Mettez les cœurs, mes gens. Mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Tu parles de quoi? On ne dit pas. On voit. Maman, tu as vu les publicités? Tu as vu comment la meuf fait ses publicités? Elle se balade de réunion en réunion. Et ceux qui l'aiment, et ceux qui la détestent, elle est seulement là avec ses affiches. 2 novembre. 2 novembre. Dès qu'elle prend un verre comme ça, là, elle toaste pas 2 novembre. 2 novembre. De partout. Hein? Elle vous montre comment faire la publicité. Et puis vous asseyez, vous dites que c'est la magie. Oh, il y a les gens qui font la magie pour rester commander la toile. C'est toi qui dis ça aujourd'hui, maman. Hein? Ton bon bokeh où?
Je t'ai toujours dit que les accusations que tu fais sur ma maman, tu n'as pas de preuves. Mais nous, on a les preuves. On a les voices. On a tes sorties. On a aussi les preuves sur la courte femme qu'on appelle Bolingo. La laideronne, la poufiasse là. On a aussi les preuves où on a porté les mamites, on a vu les asticots, les garnitures dedans. C'est vous. Vous attribuez ce que vous faites aux gens. Mais genre, mon régime donne déjà. Mon ventre parle déjà. Hey, on va bientôt. Bientôt, le ventre là parle tout. Ma choupichou est où? Choupichou n'est pas là aujourd'hui. Hein? Mes amours, vous connaissez pause publicitaire. Mes cœurs, vous connaissez le secret de mon temps. Si vous voulez un temps lumineux, brillant, comme le mien, n'hésitez pas de commander votre gamme de produits CL Beauty. CL Beauty, dans la gamme CL Beauty, il y a une. CL Beauty contient trois gammes. La gamme métissée, teint clair, et caramel. Alors, si tu es noir, tu peux prendre la gamme teint clair. Si tu es clair, tu peux prendre la gamme clair. Si tu es métissé, si tu veux être métisse, un peu effet métisse, tu prends la gamme métissée. Alors, n'hésite pas de commander ta gamme CL Beauty. CL Beauty, c'est la gamme qu'il faut pour votre peau. Parce que CL Beauty, ça nettoie votre peau. Ça enlève toutes les imperfections de votre peau. Ça vous rajeunit. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de... Je vous ai montré comment j'utilise, non? Il suffit de voir comment j'utilise. Pas tout est bon, c'est comment? N'hésite pas de commander ta gamme CL Beauty. C'est... Essaye, tu viens me dire. Mes cœurs, n'hésitez pas de commander vos tickets pour la prestigieuse nuit de l'ambiance le 2 novembre de la légende, la sœur de Tata Lolo, la maman de la lionne. Celle-là que son totem, c'est le lion. N'hésitez pas de commander vos tickets pour notre soirée le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est la soirée de tout le monde. Le 2 novembre, c'est la soirée où tous les Camerounais vont s'amuser. On ne trie pas les personnes qui vont venir le 2 novembre. Tout le monde peut aller à la soirée du 2 novembre. Oui, parce que la légende est en paix avec tout le monde. La légende est en paix avec... Vous pouvez aller à la soirée. Tout le monde peut payer ses tables. Elle n'interdit personne de venir à sa soirée le 2 novembre. C'est la soirée de tous les Camerounais. Je sais que vous êtes en Europe et que vous n'avez pas le temps de vous amuser. En Europe, vous êtes toujours en train de travailler, courir entre deux. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de travailler, courir, courir, courir. Mais si tu demandes la permission du 2 novembre, est-ce qu'on peut te refuser? Personne ne peut te refuser. Tu prends ton jour de repos le 2 novembre. Tu passes séqué. Ça va, je fais. On va le 2 novembre. Bam, bam, bam. Le 2 novembre, maman, les piches du 2 novembre. Les piches du... Maman, les... Ouh, maman. Comme Tata Lolo a dit aujourd'hui, la main, il faut aller une piche là. Maman, allez voir. Payez vos tickets. Payez vos tickets. Et puisque... Donne ta recette pour le ventre. Je vais venir vous donner. Je vous ai dit que... Je vous avais averti que j'ai à commencer un programme minceur. Mais subitement, mon programme minceur finit plus mon ventre que mon corps. Donc, pour mon corps, ça part petit, petit. Mais le ventre, ça finit plus le ventre que le corps. Parce que ça m'envoie beaucoup plus aux toilettes. Je vous ai dit que j'avais un surpoids. Près de 15 kilos que j'ai pris comme ça. Donc, je viendrai faire la publicité de ce... Peut-être je vais poster demain ou après-demain. Pour que ceux qui veulent continuer le programme minceur avec moi, continuent avec moi. Nous tous, on verra comment ça donne. Si ce n'est que pour toi, Lalien, je prends mon ticket. Merci, Bertrand Zomo. Attendez, je vais vous dire un truc. J'ai plein de personnes à Paris qui ont pris les billets pour le 2 novembre. Mais je ne peux pas vous dire.
Parce qu'il y a beaucoup de lionceaux, il y a beaucoup de mes sympathisants qui aiment rester dans l'anonymat. Mais quand ils achètent, hein, ils me disent toujours que la lionne, tu sais que Viviane, j'ai pris, hein, j'ai appris. Hein? Shopping, au shopping. Maman, la fille, attends, j'ai fini le direct. Elle va la ramasser sur TikTok. Peut-être qu'elle n'est même pas sur TikTok aujourd'hui parce que. Hein? J'aime mon gars. Peut-être mon gars. Maman! Il y a les choses là-bas. Si tu veux voir, prends ton ticket. Prends ton ticket le 2 novembre. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Maman, la soirée des soirées, en fait. La soirée des stars. La soirée de la marque aux fleurs de l'île. Maman, celle avec qui on ne tape pas poteau. Celle avec qui, quand tu es dans l'ambiance, maman, j'aime faire l'ambiance avec ma maman, maman. On danse jusqu'à. On danse jusqu'à on oublie que. Si tu veux t'amuser, si tu veux oublier le stress, je compte sur toi pour prendre ton ticket pour la soirée du 2 novembre. Toi, tu vas voir comment tu vas t'amuser jusqu'à te coucher au sol. Tu vas te coucher au sol, on va dire que, yeah, il y a quoi? Tu dis que, il faut qu'aujourd'hui, je danse jusqu'au matin. Voilà. Vous allez voir toutes les teams, les Lolomania. C'est le jour là qu'elle va voir le boucan des Lolomania. Maman, elle dit que, Tata Julien Zombie, j'ai dit qu'elle va voir le boucan des Lolomania, maman. Je sais qu'il y a la confirmation de Reine Mbiaï. Ma sistou qui a pris sa table, et j'ai eu la confirmation en direct, bien sûr, de ma chouchou pour ma fausse comment de Tatana de Jombapa qui a aussi pris sa table. Voilà, donc, hey! Maman, la joie du 2 novembre, maman. Quand Tata Lolo va entrer, l'annonce de ça, le tapis rouge de soie. Maman, le goût du 2 novembre. Maman, non, il faut que je me calme parce que j'imagine seulement la joie. La joie du 2 novembre. Mes cœurs, si vous avez les problèmes d'alopécie, oui, le couple Messan a déjà confirmé sa table avec les mamounes. Déjà depuis, le couple Messan sera bien présent, le couple. Vive le couple Messan, vive le couple Messan. Maman, n'en parlons plus de mon couple d'amour, le couple amour. Ma jaguar d'amour, maman. Ils seront tous là. Maman, ils seront tous là. Hey! Maman, le rêve de compression, c'est de voir le couple à moi, le couple Messan en guerre. Il n'y a plus de guerre. Va faire ta guerre avec tes gens. Il y a zéro guerre. Tu viens nous provoquer, on te démonte. Ma chouchou, je suis imprévisible. Ta ta ta, bim bim bim. Oui, des invités surprises, Issa. Et il y a les artistes, vous connaissez tous les artistes qui seront là le 2 novembre, non? Il y aura Mani Bella, écrivez le nom des artistes qui seront là ce jour. Il y aura Mani Bella. Pala, pala, et c'est moi, pala. Il y aura Sergio Polo. La paix que j'ai prise pour t'écrire des poèmes a été toute trempée par mes larmes. Je n'ai même pas pu écrire le mot pour te dire que je t'aime. Nathan Diwa, Mokou, Midima, Solandino. Oh,
rater ça. Hey, oh, yeah. Tu vas rater. Maman, tu vas. Maman, il y a encore qui? Fadi le sorcier. Hey, hey, maman. Lande, oh, lande, lande, oh. Ding, 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 ding. Quel artiste, Fadi le sorcier, voilà. Et plein d'autres artistes. Il y aura aussi, tu me gagnes, il y aura aussi les artistes du. Plein d'artistes. C'est, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors, mes cœurs, je veux vous remercier comme ça d'avoir partagé le live. Nous sommes encore 400 et poussière. Je vous prie de faire encore un tour de partage chacun. En tout, ça fait 400 partages. Ne fais pas la paresse, ça ne te prend pas le crédit. Oui, beaucoup d'invités surprises. Il y aura beaucoup d'invités surprises. Sauf l'artiste Mbrakata, l'artiste des carnivaux. Oui, le couple, mais, hey, le couple à mon papa, hey, mon couple, maman. Ils seront là-haut. Je disais quoi tantôt? Vous êtes 400. Pour que la Diosa Shopping, oh là là, mes cœurs, n'oubliez pas de passer dans nos boutiques la Diosa Shopping située au Carrefour Eto Bonamoussadi. Voilà, si vous avez besoin de belles robes, des tenues de ville, tenues de sport, n'hésitez pas d'aller dans les boutiques la Diosa Shopping située au Carrefour Eto Bonamoussadi. Si vous avez des problèmes de cheveux, l'alopécie et tout genre, n'hésitez pas de commander vos produits. Voilà, n'hésitez pas, parce que moi, bon, ça c'est moi, ça c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Les produits Sewa Beauty. Bon, voilà la gamme que j'utilise pour mes cheveux. Bonsoir Livia. La gamme que j'utilise pour mes cheveux, Sewa Beauty. Vous voyez comment il est utilisé, non? Donc, je vous présente. Il y a le shampoing, le démêlant, c'est ça que j'ai utilisé ce soir. Et j'ai utilisé aussi le lait. Je ne sais pas où j'ai mis le plastique, mais quand cela le tienne, vous connaissez déjà. Et je vous conseille vivement d'utiliser la gamme Sewa Beauty pour vos cheveux. Voilà. Parce que moi, avant de mettre ma perruque, j'ai d'abord appliqué mes produits. J'ai lavé mes cheveux avec le shampoing et le démêlant Sewa Beauty avant de mettre ma perruque. Alors, pour tous ceux qui disaient que, oh, à quoi ressemblent les produits CL Beauty pour ta peau, voilà ça. À les produits, donc c'est à ça que ressemblent les produits CL Beauty. Quant au programme minceur, ceux qui veulent continuer le programme minceur avec moi, écrivez-moi en eBay à ce numéro. Ta robe que tu portes coûte combien, la liane, s'il te plaît? Bah, je sais pas s'il y a encore ça en boutique. Mais je l'ai acheté à 15 000 francs. Je ne sais pas s'il y a encore ça en boutique. Je l'ai acheté à 15 000 francs. Le couple en mode. Laissez le couple. C'est notre. C'est la maison. C'est la maison mère. C'est mon couple, non? Le meilleur couple d'Afrique centrale. Le couple en mode. Image à quoi d'amour. La seule. N'hésitez pas de commander vos cadeaux surprises. Chez notre jaguar, notre épouse, hein? Voilà, n'hésitez pas de l'encourager. Si vous voulez faire les cadeaux surprises, contactez notre jaguar là-bas en Europe. Voilà, et je voulais écrire quoi? Voilà, pour tous ceux qui ont besoin, voilà, qui veulent engager le programme minceur avec moi. Voilà, je vous prie de m'écrire à ce numéro, comme ça, on va continuer ensemble. Donc, je suis déjà en train, je vous montre déjà. Non, je ne peux pas vous présenter maintenant. Voilà, parce que je suis en train de voir encore la progression. Mais sinon, je me sens légère. Je me sens comme une princesse de ventre. Je n'ai plus la princesse que le Seigneur le ventre. Je suis, et ça m'envoie aux toilettes, mais pas trop. Je suis relax, je suis légère. J'ai même plus besoin de faire le sport. Je sais pas. Donc, l'artiste Benzina. OK. L'artiste Benzina sera là le 2 novembre.
Donc, je vais vous faire part du programme Minceur plus tard. Voilà. Et ceux qui veulent continuer avec moi, écrivez-moi sur le numéro orange que j'ai publié. Comme ça, on va continuer le programme. Vous allez payer votre gamme Minceur et on va continuer ensemble. Voilà. Donc, mes cœurs, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à ma reine, mes d'amour. Merci à ma sister Rêve. Merci à ma Molly Less. Merci à maman Flokunga. Merci à tout le monde, comme ça, qui m'a encouragé, qui a partagé. Et je vous dis, vous êtes plus de 400. Si vous faites encore un tour de partage ou deux tours de partage, ça fait beaucoup. Ça fait près de 1000 partages. Et ça ne vous coupe pas le crédit. Il suffit de partager dans un groupe. Tu peux même ne pas partager sur ta page. Coucou Lion Chaton, tu décryptes trop bien ton émission. Merci, merci d'être passé. Merci d'avoir partagé l'émission Actualité de la Toile. Voilà, parce que l'émission Actualité de la Toile, c'est pour dénoncer. Voilà, donc ici, nous, on ne donne pas le lait, on tape sec. Voilà. On tape sec dans l'émission Actualité de la Toile. Nous, on tape sec. On n'est pas là pour dire qu'on ne titube pas. Merci à ma petite soeur d'amour, FP Flora, l'imagine à mon cœur. Merci, merci ma soeur. Bisous, on se retrouve tout à l'heure, non? Sandrine Fongan, c'est comment ma soeur? Merci à tout le monde. Je vais lire qui est laissé, qui est... Dion Chaton, je lis qui... Issa Ahmad, merci pour les renseignements de la soirée du 2 novembre que tu étais en train d'envoyer. Voilà. Merci à la marque rose, la vice-présidente. Et je dis au nouveau gouvernement, prenez soin d'entretenir le gouvernement qu'on vous a légué. Parce qu'à tout moment, moi, je suis imprévisible. Voilà, je suis une rebelle. Je ne suis pas dans le gouvernement, je suis une rebelle. Un bisou comme ça au pasteur supérieur. Voilà. Un bisou comme ça à ma tante Chou, ma tata Lolo d'amour. Un bisou comme ça au couple Amote, à tous ceux-là qui nous aiment, qui sont de notre côté. Voilà. Donc, j'ai oublié qui... Mais genre, si j'ai oublié quelqu'un, non, pardonnez. Oui, pardonnez, je vous en prie. Aïe. Un bisou à ma chocose d'amour, ma maman Lilin, tout le monde. Bisous à tous. Ma choupi-chou, elle m'a pour Olivier, ok? Choupi-chou m'a plaqué, elle a dit que j'arrive, la lionne. Aïe, un bisou à tout le monde comme ça. Voilà, donc je vous laisse. Prenez soin de vous. Je vous reviendrai plus tard dans l'émission Actualité de la Toile pour vous renchérir sur ce qui se passe sur la toile, pour décrypter tout ce qui se passe sur la toile. Alors... ouais, comment tu l'as fait? Il faut chercher l'adresse de Boumkena pour faire quoi avec ces poubelles là? On n'en parle pas. Oh, Boumkena, ta patronne t'a reçu chez elle ou bien? Est-ce que t'as reçu chez elle? Boumkena, est-ce que t'as reçu chez elle? Ou bien t'as reçu en route? Oh, ma lovely, ma femme, ma puissance! Lovely, ma femme, ma puissance! Et danse pour toi, et danse pour toi! Ma lovely, ma femme, la... Maman, laisse mon sorti. La puissance, la puissance, la... Ouh! Adama. Je suis fatiguée, mes gens. Je vais arrêter de me tirer. Ouh, maman. Ok, j'arrête. J'arrête, mes gens. Merci à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'aller vous abonner. Abonnez-vous. Rassurez-vous que vous êtes abonné sur ma page. Je ne paye pas les abonnés, maman. Je n'ai même pas l'argent pour manger. Ce n'est pas les abonnés que je vais payer. Pardon. Oh. Abonnez-vous. Et si vous voulez soutenir la page ou soutenir l'émission Actualité de la Toile, le même numéro Orange Money que j'ai mis là, c'est le numéro que vous pouvez faire un dépôt. N'hésitez pas de voter pour votre meilleure blogueuse du 2077. La blogueuse de la Mafoflanini. La blogueuse de l'air. Je suis nominée, mes amours, comme la meilleure blogueuse du Cameroun. Et j'attends que vous allez voter massivement. Donc, n'hésitez pas d'aller voter pour votre meilleure blogueuse de la toile. Le vote, c'est 200 francs. Alors, si tu as une tata qui est... Tu vas voter même 1000 votes. Il y a quoi? Vous êtes des puissances. Hein? Mes lionceaux d'amour, tapez fort. Hein? Mes tata abeilles, tapez. Hey, cognez. La maman va donner l'ordre, non? Hey, chaud devant.
Ma petite s'est dit quoi? Donc tu ne danses pas pour moi. Oh mon Dieu! Ok! Ok! Tu ma petite soeur, danse pour toi comment? Elle fait ce qu'elle saute même. Tu ma petite soeur, mon frère. Hey! Tu es mon combat? Et danse pour toi comment? Oh, l'envie pas faux, c'est ma puissance, mon bébé. C'est notre puissance, c'est pas ma puissance seule. Soupe pépé, tout le monde veut avoir tes lèvres. Eh, maman, elle dit que. Hey, bolingo! Bolingo! Hey! C'est encore que j'ai des lèvres comme. Non, ça me dépasse. Je lève les mains. C'est que j'ai des lèvres que bolingo est parti chez. Hey! Bolingo! Matou! Hey! Les lèvres de ça. Tu as insulté mes lèvres ici tous les jours. Donc c'est comme ça, maman. Hey! On va s'en sortir. Ha! Mais que? Pardon, ça me dépasse. Ma faux. Il dit que ma foi, ben, ça me dépasse. Je te jure. Je suis dépassée. J'ai dit que c'est toujours les lèvres là. Mariette, il compte trouver ta chaîne. Mais je peux t'en procurer, hein. Je peux t'en procurer, c'est pas cher. C'est 5 000. Et ça ne se délave pas. Pour toute la vie. La lionne, on trouve ta chaîne. Oui, c'est 5 000. Tu écris sur mon truc là. Maman, Matou a fait fort. Matou a fait fort. Ma chouchou pour Amafo. Elle a dérangé. Et a mis un nom. Elle a fini avec les lèvres. Matou. Donc quand tu insultais mes lèvres là, tu insultais pour ma maman. C'était comme ça, maman. Tu nous enviais. Hé, hey, ma foi a fait quelque chose sur la toile. Maman Guilain Chapu a fait quelque chose. Hein? On va s'en sortir avec les lèvres. Hi? Mais que mieux, je vous laisse pour l'eau que là m'a dépassé. Bolingo, non, c'est la magie. Hein? Bolingo, tu insultes. Tu es une. Je n'ai pas envie de prononcer pour bloquer même la page. Tu es un totem. Tu es méchant. Tu es de la pire des espèces, Bolingo. Tu es méchante. Méchante. Et ta bouche comme. Il n'y a même pas dit que ta bouche est comme ma part. C'est grave. Tu as fait quoi sur ta bouche? Hey! Adama. C'est quoi comme ça? Mes cœurs, s'il vous plaît, si vous voulez, si vous êtes à l'étranger, vous voulez envoyer de l'argent en Afrique, téléchargez l'application TapTapSend, utilisez mon code promo Lion237. Ce mois-ci, je suis, normalement, je dois avoir, il manque 3 abonnés, 3 personnes pour que j'atteigne mon objectif. Alors, si vous voulez aider la Lion, soit vous me soutenez par mon Orange Money pour l'émission, pour que je puisse mettre le crédit et tout, soit vous utilisez mon code promo TapTapSend pour envoyer de l'argent en Afrique et puis vous avez un pourcentage de 5 euros à 10 dollars. Vous gagnez un bonus de 5 euros à 10 dollars et moi aussi j'en profite. Donc il me manque 3 personnes qui vont utiliser mon code promo pour envoyer de l'argent en Afrique. Et l'application TapTapSend, c'est une application, c'est la meilleure des applications. C'est facile et pratique. Voilà, c'est comme les autres applications au Cameroun, là, que vous connaissez. Les Orange, MTN, oui. Tu te couches seulement dans ton lit, tu tapes, c'est parti. Tu n'as pas besoin de te tutuber le corps, d'aller t'aligner, écrire, non. Voilà. Laisse mon esprit. Ma petite soeur, c'est ton espérance, c'est tout toi qui me décourage de parler d'elle. Ce sont toutes les envieuses, ces totems. J'ai dit qu'elle est Judith. Elle t'a dit qu'elle veut laver le Bolingo, maman. Ça, son ex-fils vient toujours. Ma petite soeur, si. Il faut parler des votes. On vote comment? Alors, on vote comment? On vote par le lien de la page du vote, par le site. Voilà. Donc, si tu veux voter, tu entres dans le site que je publie, dans le lien que je publie. Voilà. Tu entres dans le lien. Ou alors tu entres dans le lien qui est sur leur page. Afrique Awards. Tu entres là-bas, tu cherches meilleur blogueur. Tu entres dans meilleur blogueur et tu vas trouver ma photo. Tu cliques sur ma photo, tu mets le nombre de votes que tu veux et tu valides. Maintenant, le deuxième vote se passe sur Facebook.
Tu passes, tu t'abonnes d'abord sur les pages. Premièrement. Deuxièmement, tu pars sur ma photo, sur la catégorie meilleure blogueuse du 237. Tu cliques sur ma photo. Tu écris mon code. Tu m'écris encore. Tu écris mon code de vote. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Vous me comprenez un peu? Le deuxième vote se passe sur leur page officielle. Tu dois tout d'abord t'abonner sur leur page. Ensuite, tu cliques sur ma photo. Ma photo sera comme ça. Mais tu passes sur la catégorie meilleure blogueuse du 237. Tu cliques sur la catégorie, tu écris mon code de vote AP22. Voilà. Tu écris AP22 en commentaire sur ma photo. Tu cliques d'abord ma photo avant d'écrire. Parce que si tu ne cliques pas ma photo, ça ne marche pas. Hein? Tu cliques ma photo avant d'écrire. Et n'oublie pas de t'abonner sur leur page. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, mes cœurs, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, mes cœurs. Prenez soin de vous. Et mais j'ai déjà payé ton billet d'avion du 2 novembre au local va Lille. Maman, quand elle comprend seulement que elle veut seulement tomber. Elle veut la chute libre. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, mes cœurs. Les votes du site, c'est à 60%. Donc, si on gagne déjà les votes du site, c'est déjà bon. Le reste, c'est 20%. D'accord, ma Sandrine. La Lyon, quels sont les concurrents? Les concurrents, il y a les Papa Zouzois, les Vendomi, les deux, Je suis 237. Toutes les grandes pages gossip que vous connaissez là, ils sont nominés. Et il y a même aussi la fille de Makoso qui est nominée aussi là-bas. Je l'ai vu là-bas. Les Aïcha Kama, tout ça. Donc, ne négligez pas. Soulevez votre Lyon. Merci à la personne qui m'a rappelé de faire la pub de ça. J'avais même déjà oublié. Et c'est seulement quand tu fais le japapa, tu oublies même ce qui est important. Donc, n'oubliez pas d'aller voter mes cœurs. C'est très important. C'est très, très important. Donc, je vais vous laisser. Pour tous ceux qui ont besoin de la chaîne, il coûte 5000 francs. Vous me contactez en eBay et puis vous serez livré. Pour tous ceux qui ont besoin de ma robe, je vais regarder si c'est encore disponible. Je vous ferai pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est une robe, une manche. Voilà. Belle robe de soirée comme ça. Voilà. Mets le lien. Oui, je vais mettre le lien en haut du direct. Pas en commentaire. Donc, merci à tous. Bisous à vous. Je suis très fatiguée. Bisous, mes cœurs. Merci, merci beaucoup.